Pose ton arme. Toi d'abord. Pose-la. Je sais que t'es humaine. Tu le sais comment? Si t'étais l'un d'eux, t'aurais pas attendu pour me liquider. À 1h07, le satellite Odyssée a enregistré les images d'un objet inconnu passant devant Mars. Il s'est arrêté à 400 km au-dessus de la Terre et est actuellement en orbite autour de notre planète. Nous les avons appelés les autres. Qu'est-ce qu'ils veulent? La Terre. C'est pour ça qu'ils sont là, Cassie. Ils ont besoin de la Terre. D'abord, ils nous ont coupé l'électricité, précipitant le monde dans le chaos. Ensuite, ils nous ont enlevé nos villes, en dévastant tout. Après, ils nous ont enlevé la vie, avec un virus aéroporté inguérissable. Pire que tout, ils nous ont enlevé le contrôle. Les autres étaient déjà parmi nous à exterminer tous les survivants. Les autres se préparent pour la cinquième vague. Ils sont capables de se loger dans des êtres humains et de commander leurs actions. Ils sont semblables à nous. On fait quoi maintenant? On veille l'un sur l'autre. On ne peut plus faire confiance à personne. Comment peut-on combattre les autres si on ne sait pas les reconnaître? T'étais pas prêt pour la fin du monde. Je dois aller chercher mon frère. Je vais t'y conduire. Tu ne sais absolument rien de lui. Les autres ont emmené Sam, et je vais aller le chercher. Nous subissons des attaques simultanées sur les dernières agglomérations. Si la cinquième vague réussit, l'humanité sera rayée de la surface du globe. Les autres considèrent notre espoir comme une faiblesse. Ils ont tort. La Terre est à nous. Ils n'en seront pas maîtres.